Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et si ça résonne ou si le son n'est pas dingue, j'en suis désolée dès maintenant puisque si vous me suivez déjà sur Instagram ou sur YouTube, vous savez déjà que ma maison est en train de se vider et ma pièce où d'habitude je filme, où il y a plein de trucs d'habitude derrière moi, il n'y a plus rien. Donc forcément, ça va peut-être résonner un tout petit peu. Évidemment, aujourd'hui, on se retrouve pour ma vidéo solde. Je n'ai pas beaucoup craqué parce que, pareil, si vous me suivez sur les réseaux, j'étais très malade. Je toussais énormément pendant la semaine des soldes. Et du coup, d'ailleurs, je suis en toussée encore un peu ici, mais j'essaierai de couper. J'ai pas été le premier jour des soldes comme d'habitude. J'aime bien vous faire un vlog solde où je fouine un petit peu, puis après, je vous montre mes trouvailles. Mais là c'est pas du tout le cas, j'ai fait les soldes en ligne et le samedi quand j'allais un tout petit peu mieux, je suis partie rapidement chez Sephora voir, mais j'ai même pas été chez Notibé, je crois que je suis passée chez Kiko vite fait et j'ai rien vu qui me donnait envie, donc c'est tout. Mais j'ai quand même pas mal craqué, donc pendant les Sephora Gold, chez Sephora, enfin j'ai pas mal craqué, non j'ai été raisonnable et après pendant les soldes j'ai acheté quelques petites choses. On va commencer par ma commande gold, puisque c'est ce que j'ai fait en premier. Voici le petit colis, j'ai vraiment pas beaucoup craqué. Je voulais en fait la palette golden de chez Natasha Denona, la dernière grande palette qui est à la sortie, mais elle est en rupture de stock juste au moment du code gold, donc souvent c'est le cas. Mais sauf que là, même là, pendant les soldes, elle n'est pas revenue. Donc je suis un peu saoulée, j'espère que je la trouverai sinon au Canada, puisque je pars très bientôt et sinon je l'achèterai là-bas. Mais je voulais l'avoir dans ma collection, donc je suis un petit peu deg. Donc je voulais l'acheter pendant le code gold. Bon, malheureusement je ne l'ai pas acheté puisque je ne l'ai pas eu en stock. Mais j'ai pris donc l'ancienne qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Je crois qu'elle est sortie il y a 2-3 mois. C'est la Hyper Natural Face Palette. Moi j'ai déjà des face palettes de Natasha Denona que j'aime beaucoup. Et là je me suis dit, au début je voulais pas craquer sur non et tout, elle n'est pas dingue. Mais là, frustration, je n'ai pas eu la golden. Je me suis dit, bon allez, je vais prendre celle-ci. Le blush aussi me fait de l'œil, mais j'ai encore une fois pas craqué. Je résiste, pour l'instant je résiste. Et en plus à l'intérieur de celle-ci il y a un blush. Honnêtement la qualité est vraiment pas mal de la palette. Je suis assez choquée, pour l'emmener en voyage et tout c'est plutôt pas mal. Et vous avez à l'intérieur un blush, un bronzer et 5 fards à paupières qui sont plutôt des basiques. Vous avez quand même un rosé, un peu gris et des marronnés et un joli pailleté. Donc il y a de quoi faire, vraiment dans un voyage je trouve qu'il y a de quoi faire. Vous pouvez utiliser le blush et le bronzer aussi pour faire vos creux de paupières. Donc c'est un peu un tout en un. Donc dans l'idée je trouve ça cool et à glisser dans ma valise pour le Canada, je me suis dit que c'était pas mal. Donc je l'ai pris avec moins 25%. En revanche, j'étais le pochon gold, parce que vous savez quand vous avez un code gold, comme ça vous avez un pochon gold spécialement pour vous, pour les gold, bah, j'ai eu ça. Une trousse Sephora. Alors je vous avoue que bon, déjà j'ai beaucoup de trousses et ça me saoule. Mais en plus là, j'aime bien avoir des petits mini produits, des petits gloss, des petits trucs à tester. Là une trousse, bon en soi je suis un peu deg, mais j'ai quand même eu quelque chose. Mais du coup comme j'ai commandé le lundi, vraiment au dernier moment, bah je pense qu'ils avaient que ça en stock, ils ont mis ça genre en mode voilà ça lui suffira, bon, j'étais deg. Donc j'ai fait réclamation. Et honnêtement, quand je fais réclamation via le Facebook de Sephora, je suis toujours bien reçue, on me répond assez rapidement en message privé. Et écoutez, en 2 jours je pense, ils m'ont dit ah, on est désolé, etc. On vous envoie un petit pochon en dédommagement, c'est plus le pochon gold, mais c'est des petits produits en dédommagement, des petites miniatures. J'ai dit ok, j'ai trouvé ça cool qu'ils fassent l'effort, je leur ai dit que je partais au Canada, donc il ne fallait pas que ça arrive dans 2 mois. Et bah écoutez, en 2 jours c'est arrivé, donc ça c'est mon pochon gold entre guillemets que je n'ai pas eu. En plus ils m'ont fait un petit mot pour dire que le service client voilà, me faisait parvenir cette attention en espérant que ce geste me fasse satisfaction. Donc je les ai trouvés plutôt efficaces, vraiment j'entends beaucoup de mal du service client de Sephora, mais moi j'ai jamais de soucis. En tout cas, j'ai des soucis avec Sephora, ça arrive, mais à chaque fois ils sont à l'écoute, ils me remboursent ou voilà, là ils m'ont envoyé un pochon rapidement. Donc je l'ai déjà ouvert, j'étais trop curieuse, donc un petit pochon comme ça, c'est pas des produits de dingue, mais ça fera l'affaire, je trouve que c'est plutôt cool. Ils m'ont mis de Olaplex un petit produit, répare et renforce tous les types de cheveux. Je ne sais pas du tout, c'est quoi, c'est un spray? Ah non, c'est une petite crème ou ça, ok. Je crois que j'avais des petites miniatures Olaplex, peut-être que si j'en ai plusieurs, je pourrais vraiment les utiliser sur mes cheveux. On a quand même une crème pour le visage à la rose, donc je ne suis pas hyper fan de chez Fresh, et ça c'est quand même un beau petit produit. Donc encore une fois, c'est pas mal du tout, c'est quand même un 15 ml. Ce produit Olaplex est un 20 ml, pardon.
Et on a un shampoing volume. Bon, ça c'est pas pour moi. C'est dommage pour le moment, je vais pas la recroiser là. Sinon je lui aurais donné parce que moi j'ai pas besoin de volume. J'aime pas ça en plus du volume. Et un petit... Ah c'est trop bien ça, c'est un petit duo de chez Drunk Elephant. C'est un petit duo dedans. Vous avez la petite crème, c'est plutôt pas mal. La crème aux peptides et je pense le petit sérum. Hop, comme ça. C'est vraiment pas mal pour emmener en vacances. Sérum lissant. Bah écoutez, alors j'avais testé un sérum de cette marque là qui m'avait pas du tout plu. Je ne sais pas si je testerai celui-ci. Mais de toute façon, si je ne les utilise pas, je vous ferai un big concours, je pense, qui arrive prochainement sur Instagram. Avec tous les produits que j'emmène pas au Canada et du coup qui vous feront sûrement plaisir. Mais je suis contente que Sephora ait fait un geste. On continue avec ma commande, donc solde cette fois-ci sur le site le mercredi des soldes. Honnêtement, il y avait des très belles soldes avec des moins 70% sur des palettes Too Faced, des palettes Pat McGrath, etc. etc. Moi, les palettes Too Faced, je les ai déjà chez moi, celles qui étaient soldées. J'ai rien vu qui m'intéressait vraiment. Dans le Pat McGrath, il n'y avait rien qui m'intéressait. Donc, j'ai pas craqué de fou. Mais j'ai réussi à avoir le premier jour des soldes un pochon, pareil, cadeau de miniature pour 40 euros d'achat sur les soldes. Vous rentriez le code, je sais plus c'était quoi le code, et vous aviez ce pochon là. Donc 40 euros, je me suis dit ça va, c'est raisonnable. J'ai pourtant pas acheté beaucoup de produits, mais ça monte vite. Hein. C'est pour moi quand même, hein, faut pas se leurrer. J'ai donc pris que 3 produits en solde au départ quand j'ai fait ma commande. J'ai pris mon petit produit de la neige, le lip mask pour les lèvres à la mangue. Je l'avais mis dans ma wishlist depuis longtemps. Là, je sais qu'il y en a qui l'ont eu gratuitement dans un pochon gold. Moi, je ne l'ai jamais eu. Et là, il était à moins 30%, je pense. Donc, peut-être à 16 euros, le 22 ou 23. Ce n'est pas une réduction de dingue, mais c'est pas mal. Dis donc, on dirait qu'il est presque ouvert. Ah bon, je vais tomber l'opercule. Mais moi, je l'ai fini à une vitesse dingue, ces baumes. Donc, forcément, là... Il va bientôt aller sur ma table de nuit, je pense, très prochainement. C'est vraiment, 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 et je sais pas si je vous l'ai déjà dit, le baume le mieux, je trouve, pour la nuit. Il répare vraiment mes lèvres pendant la nuit. J'ai les lèvres toutes douces le matin. Je ne jure que par celui-ci. Hein. Ça fait des années maintenant que j'utilise. Hein. Depuis que je l'ai découvert, j'utilise. En solde, encore une fois, j'ai pris du coup celui-ci de la neige aussi, un baume. Mais cette fois-ci, j'en ai déjà terminé un. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas le racheter en solde. Et à emmener partout dans le sac à main, c'est trop canon. Moi, celui que j'avais terminé, je crois qu'il était jaune. Peut-être qu'il était à la mangue aussi, je sais plus. En tout cas, là, c'est aux fruits rouges. Je suis contente de l'avoir trouvé soldé. À glisser dans le sac à main, il n'est pas aussi bien que celui-ci. Hein, évidemment, celui-ci, il dure toute la nuit sur vos lèvres, vous dormez et tout ça. Celui-ci, il est très bien pour le quotidien, la journée. Il est très hydratant aussi. Mais ça ne remplacera pas le baume. Hein. Pour moi, c'est, ça se complète, mais ça ne remplace pas celui-là. Et j'ai terminé ma crème pour les mains Rare Beauty et honnêtement, je l'aime beaucoup. Elle a une odeur particulière. Elle est, c'est vraiment une odeur un peu cocooning, moi, je trouve. Et je trouve qu'elle fait un très bel effet hydratant sur mes mains. J'adore. Moi qui ai des problèmes de sécheresse, ça a commencé au mois de juin, je vous avouerai. D'habitude, c'est le médecin qui me donne une crème spécifique pour mes mains. Et là, j'ai mis celle-ci. Écoutez, ça a fait partir mes problèmes de sécheresse. Donc, elle n'est pas, c'est pas un produit de pharmacie, hein. Mais elle a très bien fonctionné. Toutes mes sécheresses que j'avais sur les mains, vous savez, j'ai la peau qui comme si elle pelait comme ça au mois de juin ou au mois d'août, ça arrive. Je crois que c'est le stress aussi qui fait ça et je sais pas trop. Bah écoutez, je trouve qu'elle a bien marché sur ça. Je n'ai plus du tout de peau qui pèle. Je l'utilise tous les soirs et ils disent qu'une sensation fraîche et non grasse, c'est exactement ça. Donc en solde, je l'ai prise. En plus, elle a une forme sympa. Bon, en revanche, quand elle arrive à la fin, c'est une galère de faire sortir les dernières gouttes. Mais je l'aime beaucoup, donc je suis trop contente de l'avoir trouvé soldé. Si ces produits-là sont encore en stock, n'hésitez pas à aller voir parce que je crois que là, vous avez moins 10% supplémentaire. Donc comme ce n'est pas des coffrets, vous aurez ces fameux moins 10% en plus, ce n'est pas négligeable. Quand je suis partie en magasin, je vous montrerai le pochon juste après, hein, promis. Mais je vous montre vraiment toutes mes soldes. En magasin, j'ai une Sephora qui m'a dit « Oui, il y a moins 70% sur un parfum ». J'ai dit ok, montrez-moi. Et en fait, c'était le Bad Boy de Carolina Herrera, Superstar. Et il y a aussi la version Gold, je ne sais plus comment il s'appelle, mais l'odeur est la même que le Bad Boy normal. C'est juste que c'est des éditions, des packaging différents. Et ils sont à moins 70%. Donc au lieu de 109 euros, je l'ai payé 32 euros. L'odeur, j'aime bien, mais c'est pas l'odeur que j'aurais acheté pour mon mari. Donc je ne l'ai pas pris pour mon chéri. Je l'ai pris pour mon papounet parce que je vois très bien cette odeur sur lui. Et je sais qu'il aime beaucoup les parfums. Je sais que. Voilà. Je vous mettrai une photo de la bouteille ici parce que là je vais pas l'ouvrir vu que c'est pour l'offrir à mon papounet. Mais je trouve que c'est une super offre parce que vraiment moins 70% sur un gros parfum, c'est un 100 ml.
C'est plutôt canon. C'est une bouteille un petit peu en forme d'éclair, elle est très belle. Et puis Carolina Herrera, ça reste une très belle marque de parfum. Sur une vidéo YouTube, j'ai vu une fille qui disait qu'elle avait trouvé des produits Dior à moins 50%. Et effectivement, sur le site, j'ai vu que c'était pas vraiment affiché. Et en magasin non plus. J'ai demandé à une Sephorette en magasin et elle me l'a sortie. Toute la collection, enfin toute la gamme Capture Yawns de chez Christian Dior, comme ça. Donc c'est cette gamme-là, là. Vous avez le soin regard, le sérum et aussi la crème qui sont à moins 50%. Du coup, ça vaut grave le coup. Moi, j'ai pris que le sérum, enfin non pas le sérum, n'importe quoi. Puisque mon chéri m'a offert à la fête des mères tout un coffret Dior avec le sérum et la crème. C'est pas exactement cette gamme-là, mais bon, ça reste chez Dior. J'ai pris du coup seulement le contour des yeux et honnêtement, j'ai hâte de le tester. J'ai hésité parce que là j'ai vu que sur le site en fait, sur Sephora, vous pouvez les trouver. Mais c'est pas écrit moins 50%, vous voyez, c'est pas clairement écrit. C'est vraiment comme des soldes cachés en mode si vous tombez dessus, bah, tant mieux, sinon tant pis. Et j'ai vu qu'il y avait le sérum aussi, mais c'est quand même une cinquantaine d'euros. Là celui-ci, le soin pour les yeux comme ça, il était à 38 euros, le de 72 euros. Donc c'est pas négligeable, il y a quand même une sacrée contenance, un 15 ml. Mais le packaging est plutôt pas mal, plutôt pratique, vous voyez, vous pouvez pas en abuser, en mettre trop. C'est pas mal, c'est vraiment un très bel objet. Et du coup j'ai hésité à prendre le sérum parce que c'est quand même une gamme qui est pour retarder les effets de l'âge. Et du coup ça illumine, lisse et décongestionne le contour de yeux, donc ça me donne bien envie. Le sérum me donnait envie à 50%, mais bon, pas abusé, je sais pas si les moins 10% passent dessus. À voir, peut-être je surveillerai dans les derniers jours. En tout cas, n'hésitez pas à demander à vos Sephorettes en magasin, elles peuvent vous sortir ces petites merveilles-là qui sont cachées dans les tiroirs. Voilà pour mes soldes au niveau de Sephora. Je vous montre le fameux pochon donc, que j'ai eu à partir de 40 euros d'achat en solde et il est canon, vraiment. C'est la première fois que j'ai un pochon aussi beau. D'ailleurs, il est 15 fois mieux que le pochon qu'on m'a envoyé en mode gold. Mais ma foi, si tout le monde a eu ça, n'hésitez pas à me dire. Ça c'était dans mes échantillons gratuits, j'ai eu l'eau ressourçante, vous savez dans les échantillons qu'on a dans le colis. Donc c'est un petit spray de chez Clarins, donc ça c'est plutôt cool. Et dans le pochon, on a des merveilles, déjà on a encore une fois de chez Clarins, bah déjà une huile pour les lèvres, teinte 04, une huile confort de quand même presque 2 ml, 1,4 ml. Donc c'est pas négligeable, ça pour le sac à main c'est parfait. On a un rouge à lèvres Black Honey, ils appellent ça un mi-rouge à lèvres de chez Clinique, ça se présente comme ça. Et c'est trop cool encore une fois, vous voyez. Alors c'est vraiment une couleur un peu foncée, mais il est trop sympa. On a le fameux masque de nuit repulpant et raffermissant, mais c'est pour le visage celui-ci hein, je pense. C'est pas écrit pour les lèvres, donc je pense que c'est pour le visage. Mais c'est de la neige encore une fois et c'est un tout petit format. Ça a l'air d'être, moi je l'ai en bleu. Donc peut-être que c'est une nouvelle gamme qui a cet effet raffermissant. Et l'autre je pense qu'il est plus hydratant. Donc il a un effet glow ils disent. Ça je testerai aussi, ça me plaît bien. Alors c'est un petit format mais c'est cool. On a une bombe comme ça pour le volume. Alors pareil je sais pas volume mais je trouve que c'est un beau produit de la marque WOW. Qui est une nouvelle marque que vous trouvez chez Sephora comme ça. C'est quand même un 50 ml et donc c'est une sorte de mousse volumatrice. Donc c'est plutôt pas mal, qui n'assèche pas les cheveux. On a un sérum à la niacinamide de la marque Inkylist. Celui-ci, on l'a souvent dans les petits coffrets cadeaux comme ça, mais c'est quand même un beau format. Donc c'est un 30 ml quand même, donc c'est pas négligeable. Ça se présente comment? Ouais, ça se présente comme ça, c'est marrant le format. De chez Olaplex, on a encore un petit produit. Ici, c'est un protecteur de lien sérum nourrissant pour cheveux, antioxydant. Donc c'est un petit format, mais c'est plutôt pas mal aussi. J'ai jamais trop testé Olaplex, vraiment je suis pas dans le mood, hein, mais il va falloir que je m'y mette. De la marque Bioma, on a un gel crème à la base de niacinamide, comme ça, c'est un petit format, mais c'est plutôt pas mal. 5 ml pour tester, c'est cool, c'est un petit tube hein, comme ça. Bon bah pourquoi pas, moi je suis pas hyper fan des crèmes comme ça, hydratantes, en tout petit format, parce que ça me donne pas spécialement envie de tester, sauf si j'en ai plusieurs. Et alors on va finir avec du lourd, moi je vous le dis, on a... un rouge à lèvres Lip Injection de chez Too Faced, comme ça un petit format de 1,5 ml, mais quand même c'est cool. Pareil pour glisser dans le sac à main, vous voyez on a eu 3 rouges à lèvres quand même. Pour glisser dans le sac à main c'est parfait, donc plutôt canon. Et je vous dis ça pour 40 euros d'achat en solde, c'est plutôt pas mal. Le mini mascara de chez Fenty, j'ai vu qu'il était soldé d'ailleurs. Donc si vous l'aimez bien c'est le moment d'aller craquer.
Donc c'est un petit format aussi, mais voilà, c'est quand même un petit magasin. Je trouve que pour les vacances, ils ont vraiment tout bien fait. Et alors, le must, la petite brume comme ça, Sol de Janeiro, pareil, 30 ml, c'est pistache et caramel beurre salé. Celle-ci, c'est l'odeur que j'adore de chez Sol de Janeiro. Donc j'avais tout mis en carton dans mon déménagement pour le Canada. Donc je suis contente d'en avoir une petite comme ça pour les vacances, pour m'emmener un petit peu avant. Donc vraiment, ce pochon-là, pour 40 euros d'achat Sol, je trouve que c'est canon, vraiment, Sephora sur ce coup-là, j'adore. On finit cette vidéo solde sur la box Beautiful Box, ça va être ma dernière box de l'année. Elle n'est pas soldée, mais je vous mets quand même les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Je l'ai reçue gratuitement et je voulais vous la partager ici parce que je trouve qu'elle est plutôt canon pour, encore une fois, les beaux jours. Déjà, elle arrive dans un petit pochon comme ça, tout violet, tout beau, tout mignon. Le thème, c'est une nouvelle routine beauté. Comme ça, on a une petite carte pour vous raconter un petit peu les produits. Donc, vague estivale de douceur. Et on l'a ouverte avec ma fille, on l'a trouvée trop canon. Déjà, ça s'ouvre comme ça, la petite trousse. C'est plutôt sympa. Même pour glisser dans un sac à main et tout, c'est pas mal. On a à l'intérieur pas mal de petits produits. Donc, on a un soin protecteur pour les cheveux, pour le soleil, un soin biphasé, je vais y arriver. Et c'est un soin quotidien à utiliser tous les jours d'été, comme ça, pour prendre soin de vos cheveux, les protéger des agressions extérieures et du soleil. Donc, ça, c'est canon déjà. Deuxième produit que je trouve trop canon, parce que moi j'ai les règles douloureuses, eh bien ils ont mis un produit pour les règles douloureuses, en mode pendant cet été vous êtes tranquille. Donc c'est un produit, c'est des gélules, il y en a quand même 10 à l'intérieur, pour les crampes abdominales périodiques, effet perçu en moins d'une heure, et c'est à base de plantes, donc ça c'est plutôt pas mal. Si ça fonctionne honnêtement sur moi, je les rachèterai, c'est sûr. Alors je les trouverai pas au Canada je pense, mais quand je reviendrai en France j'en achèterai. Mais ça, c'est, je trouve que c'est sympa et vraiment moi ça me concerne, donc c'est vraiment top. On a une crème fondante, alors un sorbet fondant après soleil comme ça, de chez Biorecherche Laboratoire Paris. Pareil, made in France 100%, enfin 99% d'origine naturelle. On l'a senti, ça sent plutôt bon, c'est pas mal. Donc ça, pareil, ça va être utilisé pendant les beaux jours. Un shampoing douceur au monoeil de Tahiti et à l'huile de coco bio. Honnêtement, ils sont trop bons. 95% d'origine naturelle de la marque qui est écrite ici, la Maya. Et c'est sans sulfate et vegan. Honnêtement, ça, ça va servir aussi. C'est... Moi, je vous ai dit, moi, j'étais conquise par cette box. Et puis, on a une crème solaire, monsieur et madame Barbier. Donc, pour la chérie ou pour vous, c'est à vous de voir. Pour protéger votre peau, en indice 30, ça c'est une marque que j'ai déjà acheté pour chérie, donc je suis plutôt contente. C'est une jolie marque française. Et pour finir, un masque après solaire, un soin du visage comme ça pour réhydrater votre peau si vous avez pris le soleil. Donc ils ont pensé à tout, Beautiful Box, pour l'été. La petite troussette, vraiment protégez vos cheveux, protégez votre visage pour après hydrater après avoir pris un peu de soleil. C'est la box qu'il vous faut, donc c'est pour ça que je voulais vous la proposer maintenant. Avant de partir en vacances, si vous voulez craquer, c'est maintenant. Voilà, voilà pour mes dernières trouvailles, mes derniers achats, mes soldes. Je ne pense pas craquer prochainement dans les soldes, à moins que je trouve vraiment des dernières pépites. J'ai acheté deux petits hauts chez Grande Malice. C'est vrai que je ne les ai pas montrés, mais je pense que je vous les montrerai sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller me suivre là-bas. Et voilà, peut-être que je retrouverai des petites choses avant de partir au Canada pour remplir ma valise, mais... Elle est déjà bien trop pleine. Mais en tout cas, on se retrouve très prochainement. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez trouvé les soldes chez Sephora ou ailleurs, plutôt canon, ou vous avez été déçu. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez trouvé. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite. On n'hésite pas à liker et à s'abonner si ce n'est pas encore fait. Ciao !